Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et fecit redemptionem plebis suae. Et erexit cornus salutis nobis, in domo navi pueris sui. Sic ut locutus est spero sanctorum, quia seculos sunt prophetarum eius. Salutem ex inimicis nostris, et in manu omnium qui oderunt ad facienda misericordiam cum patribus nostris. Et memorari testamentis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 15e dimanche du temps ordinaire de l'année B et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse Notre-Dame des Apôtres pour notre méditation dominicale. Chers frères et sœurs, l'évangile de ce dimanche nous relate la première expérience missionnaire des 12. Jésus appelle et envoie pour sa mission. Mais quelle est cette mission ? Annoncer l'évangile de Dieu. Jésus lui-même est envoyé pour proclamer que les temps sont accomplis, que le règne de Dieu est tout proche et qu'il faut se convertir et croire en l'évangile. C'est une tâche immense, une tâche qui n'a pas de fin et que Jésus entreprend pas à pas en appelant les premiers disciples, en enseignant, en guérissant, et en instituant les 12, comme nous le voyons dans l'évangile de ce jour. Il les envoie deux par deux. Frères et sœurs, le Seigneur envoie ses apôtres deux par deux pour porter la mission de l'évangile, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Une bonne nouvelle telle qu'on pourrait peut-être ne pas y croire si le messager était tout seul à l'annoncer. À deux, les apôtres prennent confiance. Ils font ensemble la preuve d'une joie, d'une charité, d'une harmonie qui inspire et qui vient de la bonne nouvelle, dans laquelle ils croient et ont consacré leur vie. À deux, les disciples sont plus forts. Ils peuvent s'entraider, ils peuvent s'encourager, ils peuvent se compléter. À deux, ils ont plus d'audace. Oui, frères et sœurs, c'est comme s'ils vivaient effectivement déjà le message qu'ils sont pressés de partager avec d'autres. En les envoyant deux par deux, le Seigneur enseigne aux apôtres la logique du royaume qui est celle de l'amour et de la communion fraternelle. Frères et sœurs, la logique du royaume est aussi celle de la pauvreté sous le signe du peu. Car Jésus n'attend pas d'avoir une armée immense de témoins pour diffuser sa bonne nouvelle. Le Seigneur commence avec la fragilité d'un petit groupe. Les envoyés ne sont pas seulement peu nombreux, mais ils doivent être démunis et sans aucune autre garantie que la parole de Jésus. Jésus leur recommande de s'alléger. Il leur prescrit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Il leur recommande de mettre des sandales aux pieds et de ne pas prendre de tunique de rechange. Frères et sœurs, cette pauvreté est sur le modèle de la sortie d'Égypte. Être chrétien,
Être disciple de Jésus-Christ, c'est être un homme de passage. La nouveauté radicale de l'Évangile, frères et sœurs, est de vivre la dynamique d'un passage, du passage du Seigneur avec nous, avec ses disciples, et avec sa seule puissance. La principale action des missionnaires est de chasser les esprits impurs et de soulager toute peine et toute souffrance. Et de ce fait, les 12 expulsent de nombreux démons et guérissent des malades par l'onction avec succès, car c'est par sa main forte que le Seigneur les accompagne et leur donne tout pouvoir. Frères et sœurs, cette mission est celle de tous les disciples après la résurrection. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, il nous est dit: ils s'en allèrent proclamer partout l'évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, le Seigneur appelle et envoie. À la liste des 12, chacun de nous ce matin peut ajouter son propre nom. Est-ce que comme les 12, nous annonçons joyeusement la bonne nouvelle? Mieux, est-ce que comme les 12, nous faisons de notre propre vie une bonne nouvelle pour nos frères et nos frères et nos sœurs qui partagent notre quotidien? Aujourd'hui encore, le Seigneur nous donne pouvoir sur le mal, sous toutes ses formes. Frères et sœurs, combattons-nous le mal vraiment dans tous nos milieux de vie, ou alors nous nous en accommodons? Chers frères et sœurs, à l'appel du Seigneur, est-ce que notre communauté est prête à répondre « Me voici, Seigneur » Est-ce que chacun de nous est prêt à répondre ce matin à l'appel du Seigneur en disant « Me voici, Seigneur » Tout au long de cette Eucharistie, demandons au Seigneur qu'il fasse de nous des témoins de son Évangile, des instruments de son amour, et qu'il nous envoie là où des hommes et des femmes ont besoin de sa présence. Car ne l'oublions pas, le disciple de Jésus-Christ, le chrétien, est présence réelle et visible de Dieu pour notre monde d'aujourd'hui. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Quod locutus espero santorum, cuia saeculos sunt prophetarum eius. Salutem ex inimicis nostris, et de manu omnium qui oderunt ad facienda misericordiam cum patribus nostris, et memorari testamenti sui sancti. Ius iurandum quod iurabit ad Abraham patrem nostrum, naturum se nobis. Ut sine timore de mano inimicorum nostrorum liberati, serviamus illi. In sanctitate et justitia coram ipso, omnibus diebus nostris. Et tu, puer propheta altissimi vocaveris,
preibis enim ante faciem Domini parare via seius. Attendam scientiam salutis plebeius, in remissionem peccatorum sera misericordiae Dei nostri, in quibus visitabit nos oriens ex alto, illuminare eis qui in tenebris et in umbra mortis erit. Speres nostros in viam patis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.